ici à Paris. Extraordinaire. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Toujours en forme. Ouh là là. Il faut. Bravo. Il faut, merci à toi. Je vois que. Non, on essaye, c'est la juste même chose. Semblant. Écoute, pour moi, c'est une première. Tu sais que ça me fait plaisir de te recevoir et de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. On va aborder trois thèmes aujourd'hui sur la Ligue 1. Des choses importantes que j'ai besoin de savoir et c'est un plaisir de pouvoir t'avoir aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Alors, la première question que je vais te dire, c'est comment tu vois la Ligue 1 évoluer depuis 5 dernières années par rapport à plein de joueurs qui sont arrivés et ce que t'en penses toi par rapport à ça? Ben, nous, on a eu l'opportunité d'y jouer, Ludo, il y a bien longtemps. Toi, t'es parti, t'es revenu. Moi, je suis jamais revenu. Partir en 99, je suis jamais revenu, à part pour jouer en sélection, bien sûr, comme tu le sais. C'est vrai qu'à un moment donné, l'image de la Ligue 1 sur le plan du jeu s'est un peu dégradée. Les résultats en Coupe d'Europe n'étaient pas toujours bons. Les meilleurs joueurs partaient bien souvent à l'étranger, super tôt. Après, je pense qu'à un moment donné, il y a eu l'arrivée Zlatan. Mmh. Il y a eu aussi un coup important de garder Mbappé. Mmh, pas laisser partir nos talents jeunes, même si on l'a fait. On voit pas. Mais oui, mais bon. Enfin bref, je pense que c'était un grand coup parce que les gens ont commencé à regarder le championnat. Après, maintenant, il n'y a pas que Paris, il n'y avait pas que Zlatan, il n'y a pas que Mbappé. D'ailleurs, Mbappé qui sort de Monaco, il n'est pas sorti de Paris, même s'il est de la banlieue parisienne. Où on s'est retrouvé dans un truc où à l'étranger, les gens ont commencé à regarder ce qui se passait dans le championnat français. Maintenant, on est là, Léo Messi, qui est là aussi, et Neymar qui est venu. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le jeu. Je vois des coachs à l'heure actuelle qui essayent de voir s'ils peuvent gagner un match quand ils rentrent sur le terrain plutôt que de voir si, tu sais quoi, ben viens, on essaie de ne pas le perdre ou pas prendre de but. Je vois des coachs qui vont vers l'avant et ça aussi, c'est important. Et aujourd'hui, tu parles de Zlatan, de Neymar qui sont arrivés. Il y a bien sûr Ramos qui vient d'arriver, mais il y a quand même l'un des meilleurs joueurs au monde qui vient quand même au Paris Saint-Germain qui s'appelle Léo Messi. Et quelle est la vision pour toi de ce joueur venir dans notre championnat, dans la Ligue 1, et de dire pourquoi il est venu, et est-ce que c'est une bonne chose pour la Ligue 1? Déjà surpris, je vais pas mentir, pas surpris parce qu'il est venu au championnat français où il est venu jouer avec le PSG, surpris qu'il soit parti de Barcelone, parce que je pense que même lui, il l'a dit, il s'y attendait pas, personne s'y attendait. Maintenant, il vient au PSG, je pense qu'il y a Di Maria qui a dû lui en parler, Paredes qui a dû lui en parler, son ami Neymar qui a dû lui en parler. Et il voit qu'elle a la capacité de se retrouver dans une équipe aussi qui peut gagner. Bah, déjà le championnat, et j'espère aussi pour eux et pour le football français, la Champions League. Mais oui, ça fait toujours bizarre pour moi, quand on est à côté du terrain, de le voir, tu as joué avec lui, j'ai joué avec lui, de le voir avec les couleurs du PSG. Est-ce que c'est de bon augure pour le championnat français? Bien sûr. Bien sûr, je pense que le Paris Saint-Germain, sur les ventes de maillots, sur l'avoir sur le terrain, on sait qu'il n'a toujours pas marqué en championnat, ça c'est pas grave. En Champions League, il a déjà mis au fond. Mais Lionel Messi à Paris, extraordinaire. Et tu penses qu'au niveau médiatique, au niveau européen, les fans suivent plus la Ligue 1 grâce à ça? Je pense que oui, Ludo. Écoute, je voyage, je vis en Angleterre, j'ai vécu aux États-Unis. Et à un moment donné, à l'arrivée de Zlatan, encore une fois, et puis on peut citer tous les joueurs qui sont arrivés après. Maintenant, je vois des gens, ils ont des maillots de Paris. Ils marchent dans la rue avec les maillots de Paris. Des fois, je vais même plus loin. Ils ne savent même pas ce que c'est, tellement c'est puissant. C'est comme nous, à un moment donné, quand tu marches avec la casquette des Yankees, les gens ils pensent que c'est la casquette de New York. Ce n'est pas la casquette de New York, c'est la casquette des Yankees. Mais tu ne sais même pas, tellement ça porte, tellement c'est fort. Donc oui, bien sûr, ça dépasse vraiment même la Ligue 1. Et moi, franchement, je suis content de voir ce qu'a pu faire le PSG et ce qu'est en train de faire le championnat aussi. N'oublions pas aussi, et tu sais très bien, ce qu'a pu faire Lyon aussi dans le passé, pour pouvoir aussi maintenir le championnat français.